Salut à tous, les psychopathes du fourneau, les fêlés des couteaux, les barjots des rouleaux, bienvenue dans la tambouille de papa. Alors aujourd'hui, dans la tambouille de papa, pas de recette. Non, pas de recette parce que j'ai pas que ça à faire, j'ai des spectacles à faire tourner. Voilà. Mais quand même, je suis venu vous glisser une astuce. Parce que autant quand j'aurai le temps, je vous ferai des recettes faciles à faire. Et quand j'ai pas le temps, comme aujourd'hui, eh ben, je vous glisserai une astuce. Et ce soir, ça va être découper un poulet facilement. Parce que des fois, je vais manger chez des potes et quand ils découpent le poulet, c'est une boucherie. Alors, je vais vous montrer, couper une volaille, un poulet, une pintade, ce que vous voulez, c'est super simple. Hein. Et je vais même vous glisser une deuxième astuce, comment mettre un tablier façon Top Chef pour pas se pourrir. Voilà, alors regardez, je vais le faire là devant vous, ça sera plus simple. Donc vous prenez votre tablier, alors évidemment, il y a ceux qui vont le mettre comme ça, hein. Bon voilà, moi j'aime pas, chacun fait comme il veut. Donc vous prenez votre tablier, vous le pliez comme ça, là voilà, hein. Là vous voyez, hop, là où il y a la poche, voilà, vous le plaquez comme ça, voilà, pas trop plaqué comme ça, voilà, regardez, vous faites le tour, là vous faites votre nœud, voilà, pas trop serré quand même, voilà. Là, vous prenez votre torchon. Vous suivez, hein? Vous le coupez, vous le pliez en deux. Voilà. Et encore en deux. Voilà. Comme ça. Vous le glissez ici dans la ceinture du tablier. Jusqu'en haut, vous montez. Vous redescendez. Vous l'ajustez bien sur le côté. Et là, regardez. Là, hop, vous rebasculez tout le tablier dessus. Pour cacher les petits trucs dessous. Et là, vous avez un tablier mis professionnellement. Voilà, il n'y a rien là. On va y aller nous aussi à Top Chef, Master Chef, Small Chef, Grand Chef, Mini Chef, Smash Chef. Tu vas voir. Bon, alors maintenant, on va couper le poulet. Alors, bah évidemment, il vous faut un poulet. Hein, j'ai pris un poulet d'ici, un poulet du coin qui a été élevé en plein air, évidemment. Qui a été nourri au maïs ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas qui courait dans les prés. Et je vais vous montrer comment on fait avec simplement, vous avez une planche, au pire vous prenez, une planche et un couteau. Et je vais vous montrer ça, je rapproche la caméra et je vous montre comment cutting the kitchen, the chicken, pas the kitchen, cutting the chicken. Allez, on y va, on coupe le poulet. Alors, vous prenez votre poulet. Vous le mettez comme ça, vous voyez, on le voit bien là, je regarde. Superbe. Donc, on va commencer par dégager les cuisses. Donc c'est simple, là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Je ne vais pas vous beurrer le moule, comme on dit, mais c'est super facile. Vous mettez votre couteau comme ça, vous voyez, je ne sais pas si on voit comme ça, voilà. Et vous appuyez sur la cuisse, vous voyez. Tac. Voilà. Vous vous êtes lavé les mains, évidemment, toujours lavé les mains. Voilà, regardez, vous voyez, une cuisse. Voilà, je le mets là. Voilà, vous dégagez ça, tu vois, vous le mettez un petit peu à côté. Ça peut... Vous tournez le poulet, là, vous enlevez tout ce qui... Hop, voilà. Vous tournez le poulet de l'autre côté. Vous faites la même chose. Vous appuyez sur la cuisse, vous voyez. Elle vient toute seule, il n'y a même pas besoin de couper. Regardez, gadé. Voilà, donc là on a nos deux cuisses. Vous pouvez les recouper en deux si vous voulez. Là ensuite vous avez le morceau de poulet. Regardez bien. Ça là, vous savez, tout ça, vous pouvez y couper. Avec un couteau, vous coupez comme ça. Voilà. Vous y jetez. Hop. Voilà. Donc là, regardez bien. Vous avez au milieu, vous avez coupé comme ça. Voilà. Et vous descendez le long. Vous voyez, une fois que vous avez incisé, vous avez juste avec votre couteau, vous appuyez comme ça. Voilà, regardez. Voilà, et là, ça vient tout seul. Regardez, vous voyez ? Après, vous arrangez. Donc là, vous avez l'aile. Vous pouvez enlever la petite aile qui est là. Voilà. Là, vous avez l'aile. Voilà. Donc, soit vous recoupez en deux pour avoir l'aile et un blanc. Voilà. Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Vous savez, là, il y a le cartilage. Et là, vous mettez votre couteau de l'autre côté. Et vous appuyez comme ça. Et regardez. Voilà. Et vous le faites tomber. Voilà. Voilà. Et vous avez le même truc de l'autre côté. Bon, ça, c'est l'aile. Si vous aimez, vous y mangez. Sinon, vous y jetez. Vous y donnez au chien.
Voilà, et là vous le coupez en deux. Vous le mettez dans l'assiette. Voilà. Du coup, j'ai mis l'aile, elle est là. Voilà. Et voilà. Après, donc vous jetez, vous ramassez tout ça. Voilà. Ou alors vous ironiez si vous aimez ça. Voilà. Mais regardez, voilà. Attendez, je m'essuie les mains dans le tablier qu'on a mis professionnellement. Voilà. Je pousse ça. Regardez. Voilà. Et là, on a coupé le poulet. Voilà, c'est pas une boucherie. Voilà. Voilà. C'était simple, non? Le tablier et couper le poulet. Ça, dans la tambouille de papa. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. Moi, je vais me laver les mains et je vais répéter parce que j'ai un spectacle demain. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et la prochaine fois, dans la tambouille de papa, je vous fais une recette. Allez, les œufs brouillés. Tout le monde aime ça. Le matin, ça fait chic. On va faire un brunch. Un brunch à 150 boules. Non, non, attends. Je vais vous apprendre à faire les œufs brouillés. Ça coûte rien. Ça fait chicos quand vous avez des invités. Et voilà. Hein? Allez, bonne soirée. Top chef, master chef, c'est chef.